Pourquoi Galilée? C'est parce que ce dernier est une des figures les plus controversées en histoire des sciences et aussi en philosophie des sciences, parce qu'on a eu des interprétations contradictoires de ce qu'il avait accompli. Alors, une première chose sur laquelle il y a eu des controverses, c'est la question du procès de Galilée, ce qui a suscité un certain nombre de controverses et de questions d'interprétation quant à la question de savoir si le procès de Galilée avait été le procès qu'une religion obscure, voire obscurantiste, avait intenté à la science moderne, ou bien alors plutôt le procès d'une individualité, celle de Galilée, qui aurait été un peu trop brouillonne, ambitieuse, etc., orgueilleuse, on pourrait dire. Alors, une deuxième question, et je dois dire tout de suite, là, je suis désolée de la présentation, mais une deuxième question, c'est une question de méthode, on pourrait dire, en histoire des sciences. La question qui a été posée de Galilée, à propos de Galilée, c'était de savoir si on devait, pour comprendre Galilée, s'attacher au contenu conceptuel, à la manière dont Galilée faisait de la science, ou bien plutôt à la stratégie de recherche qui avait été la sienne, à une époque où faire de la science, c'était d'abord trouver des protecteurs parmi les princes, les grands de ce monde, etc., qui pouvaient diffuser les recherches et faire connaître ces recherches. Alors, troisième question, et là, on s'approche des questions dont je vais m'occuper. Ça a été un grand débat, aussi bien connu en philosophie des sciences, entre rationalisme et empirisme. La question étant de savoir, est-ce que ce qui a amené les découvertes de Galilée, c'est plutôt de l'ordre du changement conceptuel, donc ça du côté rationalisme, ou bien alors plutôt des expériences et des observations nouvelles qui supposent la mise en place d'un certain nombre de dispositifs expérimentaux et d'appareils de mesure. Donc troisième grand lieu de controverse. Et puis un quatrième et dernier lieu de controverse, ça a été la question continuisme-discontinuisme en histoire, en particulier parce qu'on s'est demandé ce que Galilée devait, comme vous voyez, je fais aussi des cours sur Descartes parfois, Galilée devait à ses prédécesseurs médiévaux. Et l'alternative, elle était là, du point de vue de l'histoire, ou bien il y a eu une certaine continuité avec la période médiévale, ou bien il y a eu une rupture radicale avec ce qui avait précédé. Donc il m'a semblé que cette question Galilée, pour vous qui êtes une formation interdisciplinaire, pouvait être intéressante parce que ça ouvre à beaucoup de questions. Alors maintenant, j'ai choisi de m'intéresser à quelque chose d'un peu particulier, qui est la loi de la chute des corps, et cette chose un peu particulière ne permettra pas de parler de toutes ces controverses. En fait, on va parler des deux dernières, la controverse rationalisme-empirisme et la controverse continuisme-discontinuisme. Alors, la loi de la chute des corps, je rappelle quand même ce que c'est l'idée que tous les corps tombent avec la même vitesse dans le vide et une vitesse qui va augmentant en première approximation avec le temps que dure la chute. Si vous recevez un caillou sur le pied qui est tombé pendant une seconde, sa vitesse est plus petite que si vous recevez ce même caillou sur le pied alors qu'il est tombé une dizaine de secondes. Et alors cette loi de la chute des corps, elle est très souvent présentée comme la première loi de la physique moderne. Finalement, Galilée, avec cette loi, aurait inauguré une manière de faire de la physique moderne. Ça serait elle qui aurait permis, avec un peu d'autres lois, un peu d'autres découvertes, d'envoyer les hommes sur la Lune. Alors, je ne donne pas cet exemple par hasard. Si en rentrant chez vous, vous tapez Armstrong, Neil, plus Galilée sur un moteur de recherche, vous trouvez qu'une des premières choses qu'a fait Neil Armstrong, à part marcher sur la Lune, c'est prendre une plume et un marteau, et on voit le petit film, les lâcher, et puis il dit on va voir si Galilée avait raison, et on voit la plume et le marteau qui tombent à la même vitesse, et il conclut Galileo was correct. Donc c'est pour vous dire, c'est une loi, cette loi de la chute des corps, qui a un peu cette valeur symbolique, et ça explique
que, étant donné cette valeur symbolique, la première loi de la physique moderne, ça a été un des lieux les plus visités de l'histoire et de la philosophie des sciences, et que certaines des controverses que j'ai évoquées à l'instant se soient retrouvées finalement dans cette loi. Alors, comme je disais, pas toutes. Par exemple, il ne va pas être question de science et religion quand on va parler de Galilée et de la loi de la chute des corps. Il ne sera pas non plus question de internalisme, externalisme, de cette question de savoir si on doit analyser plutôt les contenus conceptuels ou plutôt les circonstances sociales pour faire de l'histoire des sciences. Et évidemment, quand on s'intéresse à la loi de la chute des corps, on est déjà du côté des contenus conceptuels. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais procéder à une mise en garde. Ce que je vous montre ici, vous avez tous reconnu une page Wikipédia. Donc, c'est une capture d'écran de la page de Wikipédia qui concerne la loi de la chute des corps et qui donne cette loi de la chute des corps en termes contemporains. Donc, la première équation, A égale, en termes absolus, G, c'est l'idée que l'accélération a la même valeur en termes absolus que l'intensité du champ de pesanteur. La deuxième équation vous dit que V, la vitesse en un point, elle est égale à cette même intensité du champ de la pesanteur multipliée par le temps, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé depuis le début de la chute. Et puis, on rajoute V0 au cas, éventuellement, V0, ça désigne la vitesse qu'avait initialement le corps. Et puis, troisième équation, on a Z, c'est la distance qui est égale à 1/2 de gt2, dt au carré étant le carré du temps qui s'est écoulé depuis le début de la chute. Donc j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous au moins connaissiez ces lois. Et en fait, ce que je vais demander à ceux-là, aux autres on ne le demande rien du tout, c'est d'oublier ce qu'ils ont appris. Alors pourquoi oublier ces lois? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque de Galilée, au début du XVIIe siècle, il n'y a pas d'équation différentielle de ce genre. Donc, si on veut comprendre le travail de Galilée, en particulier son travail sur les mathématiques, donc je dirais un mot à la fin, eh bien, il faut partir, non pas de ce que nous savons, mais accepter de partir des textes de Galilée. Alors, chez Galilée, plus exactement dans un ouvrage qu'il publie en 1638, cinq années après son procès et quatre années avant sa mort, on a des théorèmes, des choses que Galilée lui-même appelle des théorèmes et que vous ne voyez pas bien là-dessus. Je suis désolée pour cette question de PowerPoint. Mais enfin, vous avez des théorèmes, ce que vous pouvez quand même voir, même si vous ne voyez pas grand-chose, je vais peut-être les lire, c'est qu'il n'y a pas d'équation. Donc, je vais les lire, puisque c'est assez dur d'y voir quoi que ce soit. Là, ce que je vous ai mis au tableau, c'est les deux premiers théorèmes de la troisième journée de ces discours. Premier théorème, le temps pendant lequel un espace quelconque est franchi par un mobile partant de l'état de repos avec un mouvement uniformément accéléré est égal au temps pendant lequel le même espace serait franchi par le même mobile avec un mouvement uniforme dont le degré de vitesse serait la moitié du plus grand et dernier degré de vitesse atteint au cours du mouvement accéléré. Ça, c'est un théorème qu'on appelle théorème de la vitesse moyenne. Et puis après, il y a la fameuse loi de la chute des corps qui fait l'objet du deuxième théorème, donc je le lis. Si un mobile partant du repos tombe avec un mouvement uniformément accéléré, les espaces parcourus en des temps quelconques par ce même mobile sont entre eux en raison du double des temps, c'est-à-dire comme les carrés de ces mêmes temps. Bon, ceux qui n'aimaient pas les équations, quand ils ont fait leurs études, comprennent peut-être l'intérêt des équations. L'intérêt des équations, maintenant, on peut le comprendre, c'est que les équations, ça dit assez vite ce qui est très long à dire et ce qui est très difficile à suivre. Ça demande une gymnastique particulière. Mais comme vous voyez, ça ne dit pas exactement la même chose que les équations. Et c'est pour ça que dès le début, je disais à ceux qui connaissaient les équations, oubliez-les. Parce que ce que dit Galilée, il le dit autrement. Il le dit dans un langage avec des outils mathématiques qui étaient les siens. Et ces outils-là, ce n'est pas les équations différentielles qu'on connaît aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va... Ça, c'était une précaution.
Maintenant, qu'est-ce qui va m'occuper aujourd'hui? La première question, c'est celle du continuisme-discontinuisme par rapport aux prédécesseurs médiévaux. Je voudrais poser la question de savoir ce que Galilée doit aux auteurs médiévaux qu'on appelle les calculateurs d'Oxford. Après, je m'intéresserai à la question empirisme-rationalisme. Et en fait, je subdiviserai ça en deux questions. Première question, quelle part ont tenu les expériences dans les découvertes de Galilée, en particulier dans la découverte de la loi de la chute des corps? Et deuxième question, quelle part ont tenu, non pas la raison en général, mais les mathématiques dans la découverte de cette même loi? Et en fait, j'aborderai deux sous-questions ici. D'une part, la question de savoir comment Galilée s'est convaincu de ce qu'il appelle lui-même l'étroite affinité entre le temps et le mouvement. Et la deuxième question, c'est celle des outils mathématiques dont il disposait. Et comme vous le verrez, il n'allait pas de soi avec ces outils mathématiques de décrire un phénomène continu comme l'est l'accélération d'un corps. Donc première question, c'est celle de savoir ce que doit Galilée à ce qu'on appelle les calculateurs d'Oxford. Alors le premier à avoir posé cette question, c'est un physicien de formation, Pierre Duhem, dont l'œuvre a été décisive en matière d'histoire et de philosophie des sciences. En philosophie des sciences, il a publié un ouvrage, La théorie physique, qu'on met encore de nos jours au programme de l'agrégation de philosophie, qui est un grand texte de philosophie des sciences. Et en matière d'histoire des sciences, il a publié principalement, enfin il a beaucoup publié, mais principalement, je vous ai indiqué ici, deux séries d'ouvrages, Les études sur Léonard de Vinci, ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont lu, en trois volumes, et Le système du monde, en 10 volumes, dont les derniers volumes ont été publiés à titre posthume. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur chaque historien et philosophe des sciences, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Pierre Duhem. La seule chose que je dis pour l'introduire ici, parce que mon objectif est aussi de vous montrer qu'il y a eu une évolution en histoire des sciences, en gros qu'on ne fait plus l'histoire des sciences aujourd'hui comme on la faisait au début du XXe siècle. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de situer un peu ces différentes figures d'historiens et de philosophes des sciences. Alors, la seule chose que je vais vous dire pour introduire Pierre Duhem, c'est que c'était un catholique fervent et que quand il a commencé à travailler sur la science médiévale, il voulait défendre deux thèses contre les positivistes de son temps. Première thèse, la thèse que le Moyen-Âge n'était pas une période obscurantiste. Le Moyen-Âge, c'est pour tous la période dominée par l'Église catholique. Donc, il voulait montrer que c'était l'Église catholique qui dominait et pourtant, ça n'était pas une période obscurantiste. Et puis, deuxième thèse, la thèse que Galilée, qui constituait en particulier à cause du procès de Galilée, encore au XIXe siècle, une sorte de héros de la science laïque positive, eh bien, ce héros n'avait rien inventé. Mais il avait tout repris aux savants médiévaux catholiques. Et Duhem a en particulier soutenu que Galilée devait la loi de la chute des corps aux médiévaux. Alors c'était un parti pris idéologique très fort et tous les historiens de la science médiévale ne partagent pas ce type de préjugé. Et les historiens des sciences postérieurs à Duhem, des historiens des sciences du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, comme Marshall, Claggett, je n'ai pas écrit leur nom, mais Murdoch, Grant, ou plus récemment Edith Silla, n'ont absolument pas les mêmes types de préjugés que Duhem. Et grâce à eux, on peut un peu avoir un point de vue, je dirais, plus juste sur cette question. Alors, question tout de suite, qui sont ces fameux calculateurs d'Oxford? C'est un groupe extrêmement cohérent de mathématiciens médiévaux, très cohérents socialement, parce qu'ils ont tous été dans les mêmes années, dans le même collège à Oxford, c'est pour ça qu'on parle aussi des Mertoniens, et intellectuellement, parce que le premier d'entre eux, Thomas Bradwardine, publie un traité
qui s'appelle Tractatus de Proportionibus, ou en latin, donc un traité des proportions, et qu'après, les suivants, Aitkenbury, Swineshead et Dumbleton, vont travailler avec le même type de mathématiques. Et si Duhem a eu raison d'attirer l'attention sur ces textes, si de fait, il y avait quand même quelque chose à dire, ce n'était pas non plus qu'il était complètement aveuglé c'est par ses préjugés. Il y avait de bonnes raisons pour lesquelles il soutenait qu'il fallait travailler sur la science médiévale, c'est qu'on trouve des distinctions intéressantes par rapport à la question, à la loi de la chute des corps. On trouve tout d'abord une distinction qui est encore aujourd'hui reconnue entre, je vais le dire dans nos termes, pour ne pas trop vous embrouiller, entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse moyenne d'un corps, vous savez, c'est si on a mis tel temps pour parcourir une certaine distance, eh bien on divise la distance totale parcourue par le temps total qu'on a mis à la parcourir. La vitesse instantanée, c'est la vitesse en un point. Vous voyez bien que si vous avez à certains moments couru, à d'autres marché, d'autres vous vous êtes arrêté, la vitesse instantanée à tous les points d'un parcours qui a une vitesse moyenne donnée n'est pas identique. Donc, il y a cette distinction qui est tout à fait importante. Et d'autre part, on trouve chez ces calculateurs d'Oxford ce fameux théorème de la vitesse moyenne, celui qui ouvre la troisième journée des discours de Galilée. Alors, pour expliquer ce qu'on trouve, je continue en mes termes, je vous montrerai tout à l'heure un petit bout d'un médiéval, vous comprendrez pourquoi je le dis en nos termes. Le problème de ces médiévaux, c'est qu'une fois qu'ils ont fait la distinction entre vitesse instantanée et vitesse moyenne, ils ne savent pas comment exprimer la vitesse moyenne, instantanée. Pardon. Ce qu'ils savent faire, en revanche, c'est trouver une équivalence entre la vitesse instantanée d'un corps, quand il y a une accélération constante, et une vitesse moyenne donnée. Plus précisément, ce qu'il montre, c'est que quand un corps est en mouvement avec une accélération constante, l'effet de cette accélération constante, autrement dit l'espace que le corps à terre a parcouru au bout d'un certain temps, est le même que si le corps avait eu tout au long de ce parcours une certaine vitesse moyenne. Alors, une petite image vous fera comprendre ça tout de suite. Je vais vous montrer l'image qui va vous faire comprendre. Avant, je voulais vous montrer une image alors, qui vient d'un successeur de ces calculateurs d'Oxford, qui est Nicolas Orem, qui est juste postérieur, et qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est le premier à avoir fait ce type de figure que vous retrouvez dans les graphes aujourd'hui, quand vous faites quelque chose comme un graphe avec des abscisses et des ordonnées, c'est ça que vous trouvez. Alors, cela dit, comme vous voyez, le texte n'est pas forcément facile à comprendre, donc j'ai retransposé ça, sauf que ça n'apparaît plus du tout, là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, tant pis, ça n'apparaît pas. Donc, en gros, l'idée, elle est que vous avez oui, ça va être un peu dur à expliquer avec les mains, mais vous imaginez une figure avec des abscisses. Il y a un tableau, voilà. Je vais aller faire sur le tableau. Merci. Oui, c'est bon. Donc, en fait, c'est une figure tout simplement qui... Là, je modernise ce que fait Orem. Mais c'est une figure où on considère un corps qui accélère tout au long de son parcours. Et ce que font les médiévaux, c'est simplement dire... Donc là, on représente la vitesse qui va croissant. Là, on représente le temps. Et ce qu'on va dire, ce qu'ils disent, c'est que l'air qui est contenu dans ce triangle, elle est égale à l'air qui est contenu dans ce parallélogramme. C'est un résultat géométrique immédiat, mais eux, ce que ça leur permet de dire, c'est le corps qui a une vitesse accélérée, finalement, quand on regarde l'espace qu'il a parcouru, c'est comme s'il avait parcouru avec une vitesse moyenne, qui est la vitesse
qui se trouve entre la vitesse du point de départ et la vitesse finale, c'est comme s'il avait parcouru l'espace avec cette vitesse moyenne. Donc, comme je vous disais, ils ne savent pas dire qu'est-ce que c'est la vitesse instantanée à tel point, mais ce qu'ils savent faire, c'est dire cette vitesse instantanée, elle est équivalente à une vitesse moyenne qu'ils montrent de cette manière. Donc, vous voyez qu'il y a des choses chez ces médiévaux. Il y a des choses, et en ce sens, Duhem avait raison, comme je vous disais, de dire, attendez, il faut quand même un peu regarder ce qui se passait dans la science médiévale. Mais alors, il y a des choses, mais ensuite, ce dont il faut prendre conscience, c'est que ces choses, pour les médiévaux, quand ils font ce type de courbe ou ce type d'analyse, ils n'entendent pas du tout parler seulement du mouvement, ils parlent aussi de tout ce qu'ils appellent des formes. Et les formes, ça peut être, par exemple, la charité. C'est-à-dire, on va se demander, est-ce qu'il vaut mieux être de plus en plus charitable en partant de zéro, par exemple, ou bien avoir l'espèce de même charité moyenne tout au long de sa vie, et ils vont faire ce type de calcul. Donc, malgré tout, il n'y a pas l'idée, vous voyez, que le mouvement est quelque chose de particulier sur lequel on va enquêter pour comprendre ce qu'il en est de la nature. Et autre chose qui différencie, même si on accepte le type de modernisation que j'ai fait au tableau, qui différencie ces médiévaux des auteurs postérieurs au XVIIe siècle, c'est qu'ils ne font pas du tout d'expérience. C'est-à-dire qu'ils s'amusent finalement, comme je vous disais, avec la charité, comme avec le mouvement, à faire ce qu'on appellerait peut-être des hypothèses, des expériences de pensée, en se demandant, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il vaut mieux que je cours très vite jusqu'à la boulangerie ou bien que j'y aille d'un pas régulier? Mais ils ne font aucune expérience pour regarder s'il en est ou pas ainsi dans la nature. Cette précaution à porter, la vraie question qui nous occupe, comme je vous avais dit, c'est et Galilée? Qu'est-ce qu'il leur doit? Qu'est-ce qu'il ne leur doit pas? Alors, ce qu'on peut montrer aujourd'hui, c'est que un certain nombre de choses sont acquises pour Galilée. Un certain nombre de choses sont acquises pour Galilée en ce sens, tout d'abord, qu'il admet comme allant de soi qu'on va représenter géométriquement le mouvement. De la même façon, il y a des expressions qu'on trouve chez Galilée. Par exemple, Galilée parle de degrés de vitesse et c'est des expressions qu'on trouve également chez les médiévaux. Néanmoins, un certain nombre de raisons incitent à penser qu'il n'a pas connu en détail cette tradition, c'est-à-dire qu'il n'a pas, comme le disait Duhem, recopié. Disons que c'était quelque chose qui était dans l'air. On parlait couramment de degrés de vitesse, on savait qu'on pouvait représenter, mais ça ne veut pas dire que Galilée est allé y voir de tellement plus près. Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'on possède beaucoup de manuscrits de Galilée, on possède aussi ses travaux de jeunesse, et en fait, ce qui est très clair dans ses travaux de jeunesse, c'est qu'il s'est intéressé à un certain nombre de commentateurs hellénistiques d'Aristote, par exemple Philopon ou Simplicius, mais on ne trouve pas tellement de références explicites, voire pas du tout de références explicites à des gens comme Horem ou Bradwardine. Donc ça, c'est un signe. Un autre signe, c'est que Galilée a été accusé tout au long de sa vie d'un certain nombre de plagiat. C'était des accusations courantes à l'époque. Et on ne l'a jamais accusé de plagiat sur cette question. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est un bon argument, comme on le verra tout à l'heure, c'est que les médiévaux, le petit dessin au tableau vous le montre encore, font bien du temps le paramètre principal. Or, ce qui se passe dans le cas de Galilée, c'est que dans ses travaux de jeunesse, il pense que le paramètre principal, c'est l'espace. Donc, il fait une erreur. Et donc, s'il avait eu accès à ceux qui ne font pas d'erreur, il n'aurait pas fait cette erreur dès le début. Donc, vous voyez que cette question, le continuisme, discontinuisme, elle est un peu compliquée. Après, il faudrait apporter encore des détails. Mais il est évident que Galilée n'est pas arrivé au milieu de rien. Il est évident, comme je vous disais, pour simplifier, le Moyen-Âge n'était pas une période obscurantiste. Maintenant, on ne peut pas, comme le faisait Duhem, réduire Galilée à ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Alors, j'en viens par là à la deuxième question,
J'ai récupéré des petites images sur Internet, mais on les voit à peine. À la deuxième question, qui est celle de la part des que les expériences ont tenue dans la découverte de la loi de la chute des corps. Alors, le scénario historiographique, là encore, puisque je veux vous montrer comment les historiens des sciences ont fait de la science, il a été le suivant. Les premiers historiens des sciences, et là, je ne pense pas tant à Duhem qu'à des gens comme Sarton, qui était un Belge, qui a été naturalisé américain, ou bien un Italien qui après est parti en Argentine, qui s'appelle Aldo Mieli, qui ont été très importants pour institutionnaliser l'histoire des sciences. C'est eux qui ont fondé des revues en histoire des sciences qui existent encore aujourd'hui. Eh bien, eux se représentaient la science comme une accumulation de faits. Qu'est-ce que c'est que faire de la science? C'est accumuler des faits. Et donc, si Galilée, dans un contexte comme celui-ci, est un grand homme, qu'est-ce qu'on dit de Galilée? Eh bien, Galilée, c'est celui qui a collecté des faits, qui a mis en place la méthode expérimentale et des choses de ce genre. Donc, en gros, avant Galilée, il n'y avait pas d'expérience. Et puis, avec Galilée, on a enfin commencé à faire des expériences. Alors, c'est contre ce type de position qu'a argumenté assez vivement, si vous avez lu la semaine dernière les textes que j'avais suggérés de Coiré, qui, lui, soutenait en général que la bonne physique se faisait a priori, et donc en particulier que Galilée n'avait pas fait d'expérience. En tout cas, que s'il en avait fait, c'était certainement pas ses expériences qui l'avaient conduit à découvrir ce qu'il avait découvert. Alors là encore, je pense que depuis les années 60, on a une vue un peu plus, les années 60, 70, 80, une vue un peu plus nuancée et exacte, je suis bien obligée de le dire, sur ces questions. Alors, il y a deux expériences qui sont ici en cause. D'une part, l'expérience de la tour de Pise et d'autre part, l'expérience du plan incliné. Alors, je vais tout de suite en dire un peu plus. L'expérience dite de la tour de Pise, de quoi il s'agit? Eh bien, Coiré, par exemple, dit que c'est une légende. Il dit que cette histoire, c'est une légende. Donc, la question, c'est Galilée aurait, peut-être vous en avez entendu parler, Galilée aurait lâché de la tour de Pise, où il enseignait à l'époque, des corps de même matière, mais de volume différent. Et il aurait voulu montrer par là, contre les aristotéliciens qui pensaient que plus un corps est lourd, plus il tombe vite, et bien Galilée montrait que ces deux corps, comme Armstrong le verra sur la Lune, tombent avec la même vitesse, donc arrivent au même moment sur le sol. Et alors, on a longtemps pensé que c'était une légende, par exemple, Coiré dit que c'est une légende. Pourquoi? Et bien parce qu'un des témoignages les plus directs qu'on ait de cette histoire, c'est la biographie de Galilée qu'a écrit un de ses disciples, Viviani, Vincenzo Viviani, et la biographie qu'écrit le disciple, la biographie du maître qu'écrit le disciple, est un peu hagiographique. Donc en gros, il dit, voilà, Galilée a fait un tas d'expériences, se promenait dans la nature et voyait toutes sortes de choses, entrait dans une église et voyait le chandelier de l'église qui se mouvait d'une certaine masse. Donc il est clair que, comme beaucoup de biographes hagiographes, Vincenzo Viviani a un peu déformé la réalité. Et donc, l'idée de Coiré, qu'on trouve encore souvent, c'est que tout ça, c'est une légende. Et on le trouve d'autant plus qu'en fait, ce qu'on trouve aussi bien dans des écrits de jeunesse que de Galilée que dans ses discours, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Donc une expérience qui n'a pas besoin d'être faite pour être convaincante. Alors cette expérience de pensée, c'est celle qui se trouve au tableau. Elle repose sur un scénario tout à fait élémentaire. Vous avez deux corps, un plus lourd et un plus léger, vous les attachez l'un à l'autre et vous vous demandez s'ils vont tomber plus vite ou moins vite que l'un des corps. Disons que le corps A tout seul, est-ce que A plus B va tomber plus vite ou moins vite que A? Et cette question, elle est posée à un aristotélicien. Alors d'un côté, l'aristotélicien, puisqu'il pense que plus un corps est lourd, plus le corps en question tombe vite, eh bien, il doit dire que le corps A plus B tombe plus vite que le corps A tout seul, puisque A plus B, c'est plus lourd que A.
Mais d'un autre côté, il doit dire que l'assemblage tombera moins vite qu'à tout seul, parce que c'est une idée, une intuition courante que la vitesse est médiative, c'est-à-dire que quand on met ensemble quelque chose qui va plus vite et quelque chose qui va moins vite, on se retrouve quelque part entre les deux. Pensez par exemple à l'attelage de deux chevaux, un qui est vaillant et fougueux, qui va très vite, l'autre un peu moins vite, celui qui est vaillant et fougueux entraîne l'autre. Donc on arrive à une contradiction, puisque d'un côté on dit que A plus B va plus vite que A, et de l'autre on arrive à la conclusion que A plus B va moins vite que A. Donc c'est une expérience de pensée, et la seule solution pour l'aristotélicien, à moins de mettre en cause des croyances d'arrière-plan très générales, que la vitesse, par exemple, l'exemple de ces croyances d'arrière-plan où la vitesse est importante, le poids, pardon, est important quand on étudie la vitesse, ou bien la vitesse est médiative. Donc à moins de renoncer à ces croyances-là très générales, il doit, puisqu'il arrive à une conclusion, sortir de la conclusion en disant, eh bien, ça n'est ni l'un ni l'autre, c'est que A plus B va aussi vite que A. Alors, de fait, vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que on a un raisonnement qui ne suppose aucune expérience. Là, le raisonnement, vous l'avez entendu sans que je prenne une feuille de papier, une montre pour les faire tomber devant vous. Donc, on a un raisonnement, et de fait, à chaque fois que Galilée avait un raisonnement, disposait d'un raisonnement, il préférait le mettre en avant. Il préférait mettre en avant des raisonnements plutôt que des expériences, parce que les expériences, il faut être clair, c'est toujours un peu compliqué. Par exemple, si vous montez effectivement en haut de la tour de Pise et que vous lâchez deux choses, bien, on n'est pas dans le vide. Donc, effectivement, les deux corps que vous lâchez ne tomberont pas avec la même vitesse. Et du coup, le fait est que quelqu'un comme Coiré a trouvé là de l'eau qui allait dans son moulin, parce que Galilée dit explicitement ceci que je vous ai retranscrit. On peut d'ailleurs prouver sans autres expériences, à l'aide d'une démonstration brève et concluante, qu'un mobile plus pesant ne se meut pas plus vite qu'un mobile moins pesant. Et donc après, c'est le texte ça, qui introduit cette fameuse expérience de pensée. Alors comme je vous ai dit, on a appris à raffiner en histoire des sciences, donc on a appris à dire, bon, les choses sont plus compliquées que ça, il faut dire le pour et le contre, etc. Donc où est-ce qu'on a raffiné ici? D'abord, on a raffiné d'un point de vue historique. Deux historiens, Michele Camerota et Mario Elbing, tout récemment, là c'est assez récent, c'est dans la fin des années 90, ont été lire les traités d'un certain nombre de professeurs à Pise et se sont aperçus que dans ces traités immédiatement antérieurs à l'arrivée de Galilée à Pise, eh bien, il y avait effectivement des expériences de ce genre qui étaient mentionnées. Donc les gens faisaient bien des expériences de ce genre, et ce n'est pas Galilée le premier, mais il y a un fond de vérité dans la légende que rapporte Viviani. Surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'en fait, quand on lit le discours sur De Sciences Nouvelles, et pas seulement ce que Coiré ou d'autres en disent, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, après avoir proposé ce raisonnement, cette démonstration brève et concluante, eh bien, les interlocuteurs qui sont présents dans le discours, parce que vous savez ou vous ne savez pas, mais je vais vous le dire, le discours, c'est un discours, il y a des démonstrations, y compris mathématiques, mais en fait, Galilée fait dialoguer des personnages. Donc il y a un des personnages, Salviati, qui est le porte-parole de Galilée, et puis il y a deux autres qui ont deux fonctions un peu différentes, Simplicio, c'est un aristotélicien, donc un peu bête, qui ne comprend jamais ce dont il est en question, et puis il y a Sagredo, qui est une sorte d'honnête homme, comme on disait au XVIIe siècle, de bonamens, quelqu'un qui est prêt à comprendre, mais il lui faut des arguments. Et donc le boulot de Salviati, c'est de convaincre les deux autres. Donc Salviati, c'est lui qui dit ça, en fait, on peut proposer une démonstration brève et concluante, mais les deux autres, ça a beau être bref et concluant, ils ne sont pas complètement convaincus. Et donc il va falloir recourir à d'autres arguments. Et c'est là qu'on a en fait des expériences qui sont rapportées par Salviati comme ayant été faites. Alors dans un premier temps, il dit, eh bien voilà, si on fait tomber deux corps de même matière mais de volume différent, par exemple une petite boule de bois
et une grosse boule de bois, et qu'on les fait tomber dans des milieux de résistance différentes. Par exemple, on les fait tomber dans l'eau et on les fait tomber dans l'air, eh bien, elles vont pas, leur différence de vitesse ne va pas être la même. C'est-à-dire qu'elles vont tomber moins vite quand elles sont dans un milieu plus résistant que dans un milieu moins résistant. Et puis après, il montre que la différence entre la vitesse de deux corps quelconques, et pas seulement la vitesse de deux corps de même matière, diminue quand la résistance du fluide dans lequel on les fait tomber diminue aussi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une boule de bois et une boule de plomb et que vous les faites tomber dans l'air, il y a une certaine résistance. Si vous voulez, l'air possède une certaine résistance et il va y avoir une certaine différence entre leurs vitesses. Si vous les faites tomber dans un milieu plus résistant que l'air, par exemple comme l'eau, eh bien la différence va être plus grande. Et ainsi de suite, si vous les faisiez tomber dans du mercure ou dans quelque chose d'encore plus résistant que l'eau, il y aurait une différence de plus en plus grande. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on fait le trajet inverse? C'est-à-dire si on les fait tomber dans des milieux de moins en moins résistants. Eh bien ça veut dire que la différence de vitesse, quand on va dans des milieux de moins en moins résistants, elle tend vers zéro. Elle tend à diminuer, puisque moins on est dans un milieu résistant, moins il y a de différence de vitesse. Et donc, dit Galilée, dans le vide, et ce qu'il faut préciser ici, c'est que le vide, à l'époque, on ne savait pas faire du vide, donc on n'avait pas accès au vide, on ne pouvait pas faire une chambre vide de tout, et c'est pour ça qu'on avait du mal avec ces expériences. Dit Galilée, eh bien, si on se place dans le vide, par extrapolation, par continuité, les corps vont tomber pareil, puisqu'on voit que la différence de vitesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre problème? Ça veut dire que, bien sûr, il y a des raisonnements chez Galilée. Bien sûr, quand il peut proposer un raisonnement, il le fait. Néanmoins, il y a toujours des expériences aux alentours. Et ces expériences, dans la manière dont il voulait démontrer les choses, elles étaient indispensables. Comme je vous ai dit, les deux personnages du dialogue ne sont pas convaincus par le simple raisonnement. Alors, autre expérience, c'est le plan incliné. Le plan incliné, c'est un peu différent, parce que là, on a une description très détaillée dans le discours sur deux sciences nouvelles. Donc, ce n'est pas comme la tour de Pise qui comprend une certaine part de légende. Alors, je n'avais pas noté la description qui est donnée. Je vais vous la lire, parce que je ne l'ai pas notée parce qu'elle était trop longue. Mais on la trouve dans le discours sur deux sciences nouvelles. Voilà ce qu'écrivait Galilée. « Dans une règle, ou plus exactement dans un chevron de bois, long d'environ 12 coudées, large d'une demi-coudée et épais de 3 doigts, donc c'est cette chose-là, nous creusions un petit canal d'une largeur à peine supérieure à un doigt et parfaitement rectiligne. Après avoir garni d'une feuille de parchemin bien lustrée pour le rendre aussi glissant que possible, nous y laissions glisser une boule de bronze très dure, donc c'est ce qui tient dans son petit doigt, parfaitement arrondie et polie. Plaçant alors l'appareil dans une position inclinée, en élevant l'une de ses extrémités, d'une coudée ou deux au-dessus de l'horizon, nous laissions, comme je l'ai dit, rouler la boule en notant le temps nécessaire à une descente complète. L'expérience était commencée plusieurs fois afin de déterminer exactement la durée du temps, mais sans que nous découvrissions jamais de différence supérieure au dixième d'un battement de pouls. La mise en place de cette première mesure étant accomplie, nous faisions descendre la boule sur le quart du canal seulement. Le temps mesuré était toujours rigoureusement égal à la moitié du temps présent. Nous faisions ensuite varier, etc., etc. Nous avons ainsi observé que le temps de descente pour les différentes inclinations du plan avait exactement entre eux les proportions que l'auteur, comme nous le verrons plus loin, avait prédites et démontrées. Pour mesurer le temps, nous prenions un grand seau d'eau que nous attachions assez haut. Donc ça, ce n'est pas sur le dessin. Par un orifice étroit pratiqué dans son fond, s'échappait un mince filet d'eau que l'on recueillait dans un petit récipient tout le temps que la boule roulait dans le canal.
Les quantités d'eau ainsi recueillies étaient à chaque fois pesées à l'aide d'une balance très sensible, et les différences et proportions entre les poids donnaient les différences et proportions entre les temps. S'il y a beaucoup de temps qui s'est passé, ça fait un gros poids d'eau. La précision de l'expérience était telle que, comme je l'ai dit, aucune discordance significative n'apparut jamais entre les expériences, maintes et maintes fois répétées. Alors, ce que Coiré dit de cette expérience, c'est que, de cette narration d'expérience, de ce récit, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et en particulier, Coiré disait, mais c'est quoi cette histoire avec un seau, on met de l'eau, il va falloir vite aller boucher le seau quand la bille arrive en bas, parce que c'est ça qu'il faut faire. Vous faites descendre votre bille, vous devez vite déboucher votre seau et vite le reboucher dès qu'elle arrive en bas. Donc Coiré disait, c'est impossible à faire. Et c'est finalement un récit, une espèce d'illustration expérimentale, mais ça n'est pas ça qu'a fait Galilée, ou s'il l'a fait, il n'a pas pu réussir à obtenir les résultats qu'il nous dit avoir obtenus ici. Alors, il y a eu, là encore, une série de travaux dans les années 60-70, en particulier de deux historiens américains, Thomas Settle et Stillman Drake, et en fait, ils ont répondu à ces objections. Thomas Settle a été l'un des premiers à faire quelque chose qui est devenu assez fréquent en histoire des sciences, qui est ce qu'on appelle la réplication d'expériences. Donc répliquer des expériences, pourquoi est-ce que les historiens des sciences font ça? Eh bien, ça peut être, comme c'était l'objectif de Settle, de montrer que quelque chose était possible. On pouvait le faire, c'est-à-dire si on arrive effectivement à reproduire ça, eh bien, peut-être en essayant de se remettre dans les conditions expérimentales de Galilée, à l'époque c'était faisable. L'autre chose aussi, parfois on s'en est servi pour autre chose, c'est-à-dire pour montrer en fait qu'il y a des cas où ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à reproduire l'expérience. Alors pourquoi ces cas-là étaient intéressants? Ils sont aussi intéressants en fait parce que ça a permis aux historiens des sciences de réfléchir sur le type de savoir que pouvaient avoir les savants du XVIIe ou du XVIIIe ou du XIXe siècle qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, je donne juste un exemple, c'est anecdotique par rapport à mon exposé sur Galilée, mais c'est celui de Joule, celui de l'unité de mesure Joule. En fait, il a fait donc des mesures calorifiques et certaines choses, on n'arrivait pas à les refaire. Et l'explication qui a été donnée de ça, c'est qu'en fait, Joule était, par son métier, sa profession, sa famille, un brasseur de bière. En fait, les brasseurs de bière, dans leur métier, ils doivent avoir une appréhension très fine des moments où on doit, je ne sais pas exactement ce qu'on fait pour brasser de la bière, mais arrêter certains processus. Vous voyez, on doit pouvoir reconnaître comme une cuisinière qui, je ne sais pas moi, qui fait fondre du chocolat, ou que c'est le moment où il faut arrêter le feu. Et donc l'explication du fait que nous n'arrivions pas à reproduire ce que faisait Joule, c'est que Joule avait ce type de savoir, un savoir, comme on dit maintenant, tacite, qui n'est pas dans les livres, qu'on ne trouve pas quand on regarde les récits d'expérience de Joule, mais avec ce savoir, on peut comprendre qu'il ait fait ça. Bon, enfin, c'était une petite parenthèse. Ce que je vous disais juste, c'est que Settle a réussi à remettre en place une sorte d'horloge à eau comme le sceau de Galilée et a montré que c'était possible. Et d'autre part, Stillman Drake, de son côté, a été un des premiers, donc là vous ne voyez absolument pas ce que c'est, mais c'est un manuscrit de Galilée, donc imaginez un parchemin un peu jauni avec des petites écritures dessus. Et lui, il a montré que sur certains feuilles des manuscrits de Galilée, on voyait des relevés de chiffres qui ne correspondaient pas exactement à la loi de la chute des corps, mais qui s'en approchaient beaucoup. Alors pourquoi ça c'est intéressant? Bien, c'est intéressant parce qu'au XVIIe siècle, c'est vrai qu'on trouve parfois ce qui est appelé par les auteurs de l'époque des exemples en nombre, c'est-à-dire ils énoncent une loi et puis après ils donnent des applications numériques de ces exemples. Et là, il le calcule. Mais si on trouve des listes de nombres, comme on en trouve sur certains folios des manuscrits de Galilée, où il y a des chiffres qui correspondent presque, mais pas tout à fait, bien ça veut dire que c'était effectivement des relevés d'expériences faits par les auteurs de l'époque.
Alors, vous voyez par là, qu'est-ce que je vous ai montré avec ces deux exemples qui sont fameux, la tour de Pise, le plan incliné. Eh bien, c'est que les énoncés de Coiré sur l'inutilité des expériences ou le fait que Galilée n'a pas fait d'expérience sont massivement faux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des expériences chez Galilée? Est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à la position un peu antérieure, celle dont je vous ai dit qu'elle était celle de Sartone et Mieli? Mais évidemment, non. Évidemment, les choses sont compliquées. Et évidemment, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que une chose très importante chez Galilée, c'était les mathématiques. Et je vais tout de suite embrayer, en fait, avec la question de savoir comment Galilée s'est convaincu de ce qu'il appelle, je vous avais dit, l'étroite affinité entre le temps et le mouvement. Donc comment est-ce que Galilée en est venu à penser que quand on étudiait le mouvement, le paramètre principal, c'est le temps. Le point de départ de ça, c'est que Galilée a commencé par se tromper. Alors là, ça va être également illisible, mais je vais vous le lire. C'est une lettre que Galilée écrit à un ami vénitien en 1604. Et dans cette lettre, il explique qu'il a cherché ce qu'il appelle un principe absolument indubitable qu'il pourrait poser comme axiome, principe qui lui permettrait de déduire la loi de la chute des corps, et qu'il a finalement trouvé ce dernier dans l'affirmation que, je cite la fin de ce texte, « le mobile naturel va en augmentant de vitesse dans la proportion même où il s'éloigne de son point de départ ». Donc, ce que Galilée dit dans cette lettre, c'est qu'il est à la recherche d'un principe. Alors, pourquoi est-ce qu'il est à la recherche d'un principe? C'est parce que Galilée, très vite, et ça ferait encore une différence avec les médiévaux, en fait, a conçu son travail comme étant un travail d'axiomatisation. Ça veut dire quoi, axiomatisation? Ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de résultats, ça c'est une chose, mais on va essayer d'identifier les bons axiomes, les axiomes permettant de déduire les résultats en question, et on va s'efforcer d'ordonner l'ensemble des résultats qu'on a. Donc il est à la recherche de bons principes, et ce qu'il propose comme principe, c'est que la vitesse augmente en proportion de l'espace, ce qui est faux. On l'a rappelé pour commencer, la vitesse, elle augmente en proportion du temps. Alors, l'ironie veut d'ailleurs qu'ensuite, Galilée, pendant quelques années, s'efforcera d'arriver à des résultats qui sont justes, mais à partir d'un principe faux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les deux questions que ça pose, c'est, première question, pourquoi est-ce que Galilée s'est convaincu que ce principe qui est faux était vrai? Et puis, autre question, comment est-ce qu'il en est venu à rectifier cette chose fausse? Comment est-ce qu'il en est venu à découvrir qu'effectivement la vitesse augmente en fonction de la vitesse? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les manuscrits, si on s'intéresse à la première question, pourquoi Galilée a commis cette erreur, bien là encore, en se rapportant aux manuscrits de Galilée, on s'aperçoit que les expériences, ces fameuses expériences, ont eu un grand rôle pour convaincre Galilée de cette chose fausse. Alors, plus exactement, et pour autant qu'on puisse reconstituer sa démarche, Galilée a fait un certain nombre d'expériences, qu'on trouve d'ailleurs aussi déjà chez Léonard de Vinci, qui consistent à lâcher des corps, encore, vous voyez, on lâche des corps, et à les faire tomber dans de la terre, dans de l'argile un peu humide. Et l'idée de Galilée, c'était, selon que la trace laissée par le corps qui tombe est plus ou moins importante, eh bien, on va dire que la vitesse est plus ou moins grande. Donc il avait comme ça une première proportion entre la vitesse et l'effet de la percussion. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Galilée a beaucoup travaillé, en fait, avait une formation, on pourrait dire aujourd'hui, d'ingénieur,
et qu'il a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les machines simples. Les machines simples, c'est des choses comme les leviers, les poulies, etc. Or, dans les machines simples, vous avez une autre proportion qui est manifeste entre la hauteur et l'effet que produisent ces machines. Donc en fait, Galilée, ça montre un peu le type de travail qu'il faisait. Il avait affaire à des proportions. Il se disait, voilà, telle grandeur est proportionnelle à telle autre grandeur, celle-ci, elle est proportionnelle à celle-ci. Qu'est-ce qu'on en tire? Vous voyez, c'est un peu ce travail sur les proportions. On cherche à trouver la bonne proportion. Et en fait, c'est en combinant ces expériences consistant à lâcher des corps, vous voyez que c'est relativement qualitatif, on dit c'est plus gros l'empreinte dans l'argile, c'est plus grand, c'est plus petit, eh bien en combinant ces expériences et ce qu'il savait des machines simples, qu'il en est arrivé à l'idée qu'il y avait une proportion entre la vitesse et l'espace plutôt que entre la vitesse et le temps. Donc vous voyez ici, comme je vous dis, les choses sont compliquées, c'est-à-dire si on se demande quel est le rôle de l'expérience chez Galilée, ben, l'expérience, c'est beaucoup de choses. Là, l'expérience, elle l'a plutôt induit en erreur que conduit à la vérité. Alors, qu'est-ce qui l'a conduit maintenant au bon principe? C'est la deuxième question. Qu'est-ce qui a amené Galilée à rectifier cette erreur? Eh bien, c'est ce que j'appelle le travail de la géométrisation. Le travail de la géométrisation, en ce sens que quand on géométrise, quand on axiomatise, comme je vous disais, on doit d'abord s'efforcer de tracer un chemin entre les différents résultats. On doit avoir des axiomes et puis être capable de déduire de ces différents axiomes les théorèmes. Et donc, si on a un principe qui est faux quelque part, ben, on ne va pas pouvoir faire la déduction. Ou bien là, on va faire des arnaques comme ça arrive dans une démonstration où on prétend avoir démontré quelque chose, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. On ne l'a pas démontré, on a fait une erreur. Et donc, Galilée a beaucoup travaillé, et c'est ce que j'appelle le travail de la géométrisation qui lui a permis, finalement, à un moment, de se rendre compte qu'il ne pouvait pas atteindre les résultats qu'il avait établis expérimentalement à partir de ce principe que la vitesse est proportionnelle à l'espace. Et donc, il a été amené à penser qu'effectivement, ça ne pouvait être qu'autant. Alors, une hypothèse complémentaire, oui, vous voyez quand même un peu, c'est des dessins qui viennent de manuscrits et de traités de Galilée. Il y a une hypothèse complémentaire et qui n'est pas du tout antagoniste, qui complète ce que je viens de dire, qui est l'idée que dans le travail de la géométrisation, tel qu'on le faisait à l'époque, il n'y a pas seulement une axiomatisation, une mise en forme, l'établissement de chemins déductifs, il y a aussi un travail sur les figures géométriques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut raconter cette histoire, et c'est ce qu'a proposé une historienne des sciences qui s'appelle Carla Rita Palmerino, en disant, eh bien, finalement, le problème de Galilée, c'était aussi de trouver une bonne figure. Ce n'était pas seulement de trouver les bons chemins déductifs, c'était aussi de trouver une figure où on avait toutes les grandeurs importantes qui sont représentées. Alors, ce que vous avez à gauche, c'est le premier dessin que fait Galilée relativement au phénomène de la chute. Et ce que vous voyez figuré ici, c'est simplement une schématisation de la chute. C'est-à-dire, c'est vraiment la trajectoire de la chute avec l'espace parcouru dans la chute. On a A qui est le point d'où part le corps, puis B, il est un peu plus bas, et il va de plus en plus vite, donc la distance parcourue entre chaque intervalle de temps est de plus en plus grande. Vous voyez que là, ce que vous avez, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de vitesse, vous avez juste la retranscription, que je disais schématisation, de la chute. C'est comme si on prenait une photo et qu'à partir de cette photo, on faisait un schéma pour abstraire l'essentiel. Alors, au milieu, il y a une figure intermédiaire qui se trouve dans un manuscrit intermédiaire. Et là, c'est toujours la chute qui est représentée par cette droite verticale. Mais là, il y a quelque chose de plus. Galilée commence à représenter la vitesse. La vitesse, c'est ce qui est représenté par les segments horizontaux.
des petits segments horizontaux. Donc, il a un paramètre en plus. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le dessin publié, ça, c'est le dessin publié dans les discours, justement. Et en fait, là, on n'a plus du tout la représentation de la chute, parce que ce qui est représenté, en fait, par cette verticale, c'est le temps. Et en fait, la distance parcourue, elle est en quelque sorte sortie du dessin. Elle se trouve ici. Et donc, on a le temps qui est représenté là, verticalement. Et là, ce n'est plus du tout une figuration ou une schématisation comme dans le premier cas, parce que quand vous voyez un corps tomber, vous ne voyez pas le temps, vous voyez le corps qui tombe. Et donc là, ce qui devient intéressant, on a toujours ici la vitesse qui est représentée, mais ici, on voit bien que le paramètre principal, c'est le temps. C'est lui qui sert comme ça de vertical et qui devient le paramètre principal. Donc, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est quoi? C'est que dans cette histoire-expérience mathématique, on a commencé par dire les expériences sont importantes. Puis là, avec le cas des expériences de la glaise, on va les appeler comme ça, je vous ai dit oui, mais les expériences, elles peuvent conduire à des erreurs. Il faut prendre en considération le travail de mathématisation, géométrisation, etc. Je vais faire un dernier retournement, et puis après on s'arrêtera quand même, apporter une dernière nuance. Et cette nuance, c'est que les mathématiques dont disposait Galilée étaient extrêmement problématiques, en fait, si on voulait traiter un phénomène continu comme l'accélération. Qu'il était très difficile, avec les mathématiques de Galilée, de rendre compte, comme il faut, de l'accélération. Alors, que l'accélération soit un phénomène continu, bien voilà, vous avez ici des schémas qu'on trouve dans les discours. La continuité, elle est manifeste, vous voyez, dans le fait que cette courbe-là, ça soit une droite. Ce n'est pas un petit truc avec des marches. Quand un corps accélère, il accélère continuellement, il n'accélère pas, pouf, je gagne en vitesse toutes les 3 secondes, par exemple. Là, ça serait un petit créneau comme ça. Donc, l'accélération, pour Galilée, était bien un phénomène continu. Et le problème, là encore, il y a des... Donc là, c'est un texte, je ne vais peut-être pas le lire pour laisser du temps aux questions, mais c'est un texte qui définit ce que c'est que cette accélération continue. Et en fait, le problème, c'est que cette accélération, il est très difficile d'en rendre compte avec les outils mathématiques dont disposait Galilée, à savoir en particulier la théorie des proportions. Alors, c'est quoi cette théorie des proportions? C'est quelque chose qui remonte à Euclide, au livre 5 des éléments d'Euclide. Et cette théorie des proportions, elle repose, on pourrait dire, sur un interdit. Selon cet interdit qu'on trouve, qui est fondateur pour la théorie des proportions, il est interdit d'écrire des rapports entre des grandeurs qui ne sont pas de même nature. Alors, pour le dire autrement, on a le droit d'écrire un rapport entre A et B, d'écrire ce que vous écrivez tous les jours, A sur B, si et seulement si A et B sont de même nature. Alors, ça paraît très philosophique, être de même nature, mais en fait, ça veut dire quelque chose de tout à fait précis en mathématiques, c'est ce qui est connu aujourd'hui sous le nom d'axiome d'Archimède. Une grandeur A est plus petite qu'une grandeur, une grandeur A plus petite qu'une grandeur B est de même nature qu'elle, si et seulement si, en ajoutant un certain nombre de fois A, on peut dépasser B. Donc, par exemple, je vous donne tout de suite des exemples, si vous prenez des points, vous aurez beau ajouter des points, vous ne ferez pas une ligne. Ou si vous ajoutez des lignes, vous ne ferez pas, en tout cas pas en géométrie euclidienne, vous ne ferez pas un plan. Donc là, on a une grandeur A, le point, et une grandeur B, la ligne. Vous avez beau ajouter des A, vous n'arrivez pas à faire une ligne. En revanche, si vous ajoutez des segments de lignes, eh bien vous arrivez à une droite.
Donc c'est ça l'idée, c'est ça que ça veut dire, être de même nature pour la théorie des proportions. Et alors ça a des conséquences tout à fait importantes, en particulier pour Galilée. La première conséquence, c'est que vous ne vous pouvez pas écrire ce que vous avez tous écrit, que la vitesse, c'est la distance ou l'espace divisé par le temps. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit, dans ce cadre mathématique, de faire des rapports entre grandeurs de nature différente. Or, l'espace et le temps, ce sont des grandeurs différentes. Parce que ce n'est pas en ajoutant des espaces que vous arrivez à des temps ou le contraire. Et donc, la seule chose possible pour Galilée et pour ceux du XVIIe siècle qui travaillent dans ce cadre mathématique, c'est de comparer une vitesse à une vitesse ou une distance à une distance. Et si vous allez voir, si vous vous souvenez des formules qu'on a données au début, ces formules extrêmement compliquées, ça ne vient pas seulement cette complication du fait qu'elles sont en langue naturelle, ça vient aussi qu'à chaque fois que Galilée parle de vitesse, de distance, de temps, la seule chose qu'il peut faire, c'est dire telle vitesse est à telle vitesse, comme tel temps est à tel temps, qu'il ne peut jamais écrire directement, comme nous le faisons, la vitesse, c'est l'espace divisé par le temps. Alors, une autre chose compliquée que que cette théorie des proportions implique, eh bien, c'est qu'il est extrêmement difficile de rendre compte de ce que nous avons appelé tout à l'heure la vitesse instantanée. Et plus encore de la variation de vitesse instantanée qu'est l'accélération. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit pour ceux d'entre vous qui ont vu ça, je ne sais pas si c'est en première ou en terminale qu'on voit ces choses-là maintenant, mais qu'est-ce qu'on dit quand on veut parler de vitesse instantanée ou quand on veut parler d'accélération ? On dit que la vitesse instantanée, c'est la dérivée de l'espace par rapport au temps et que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais vous voyez là que vous avez des notions. Les dérivés, c'est quoi ensuite ? C'est si vous dérivez pour la vitesse, ça va être la distance divisée par le temps quand le temps tend vers zéro. Mais si le temps tend vers zéro, dans l'esprit galiléen, on a affaire à une grandeur qui ne va plus être de même nature, encore une fois, que le temps, enfin qui sera trop petite pour être attrapée, qui sera un petit chouïa de rien du tout. Et encore une fois, Galilée n'a pas ces choses-là. Et donc le problème pour Galilée, c'est que dans la théorie des proportions, vous pouvez faire quoi ? Vous pouvez comparer un triangle à un carré, vous pouvez comparer 8 à 9, etc. Mais vous ne pouvez pas comparer des grandeurs qui ne sont pas de même nature, c'est-à-dire soit des grandeurs différentes comme l'espace et le temps, soit des grandeurs semblables, mais de différents ordres de grandeur. Comme le serait, par exemple, cette chose qui tend vers zéro. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, tout le problème pour Galilée a été, vous racontez ça, c'est une histoire passablement compliquée, et ça supposerait rentrer vraiment dans le détail, mais finalement, pour vous montrer un petit dessin, qui est le dessin qu'on trouve de la loi de la chute des corps, eh bien, en fait, le truc de Galilée, ça va être de ne pas traiter de chaque segment pris individuellement. Chaque segment pris individuellement, il représente la vitesse instantanée. Mais lui, il va traiter de ce qu'il appelle de somme de vitesse, c'est-à-dire il va traiter d'air. Et en traitant d'air et en comparant ces airs, donc après ça c'est la théorie des proportions sur la géométrie, il va réussir quand même à soutenir cette loi de la chute des corps et à la démontrer mathématiquement, c'est-à-dire dans un cadre mathématiquement très contraint, qui était celui de la théorie des proportions, il va réussir à adapter ce cadre pour un phénomène particulier qui était très mal proportionné, c'est le cas de le dire, pour ce cadre-là. Donc, conclusion, oui, il n'y a plus de diapositives, donc c'est la conclusion. Ce que j'ai voulu vous montrer sur un tout petit exemple, c'est un peu le type de qu'est-ce que ça veut dire être un historien des sciences, lire des textes de Galilée, etc. Ce que vous voyez
c'est que, comme tous les historiens, ben, les historiens des sciences, ils racontent des histoires. Raconter des histoires, ça veut dire avoir affaire à de l'avant et de l'après. Donc, par exemple, se demander qu'est-ce que c'est que Galilée par rapport à ses prédécesseurs, mais aussi, et ça, je ne l'ai pas raconté, mais ça serait une autre histoire à raconter, qu'est-ce que c'est que Galilée par rapport à ses successeurs. Et quand on examine la succession de Galilée, ben, un des premiers problèmes du XVIIe siècle, ça va être de trouver les bonnes mathématiques pour réussir à rendre compte du mouvement, de la vitesse instantanée, de l'accélération. Parce que le travail de Galilée montrait que c'était extrêmement acrobatique avec ces mathématiques-là de réussir à faire cette chose-là. Alors, comme tous les historiens aussi, les historiens des sciences, finalement, sont attentifs aux moyens dont disposaient les scientifiques auxquels ils s'intéressent. Donc, j'ai insisté un peu, je vous ai lu ce texte, par exemple, où Galilée décrit le dispositif expérimental qui lui a permis le plan incliné, qui lui a permis de démontrer expérimentalement la loi de la chute des corps, parce qu'il faut bien réaliser que les moyens techniques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Par exemple, pour mesurer le temps, cette histoire de saut, eh bien, on n'a pas d'horloge, enfin, on a des grandes horloges sur les grandes églises, mais on n'a pas de chronomètre. Il ne s'agit pas de prendre son chronomètre et puis de dire, eh bien voilà. Donc ça demande un travail aussi, mais ces moyens, c'est aussi une question de moyens intellectuels. C'est ce que je voulais un peu vous montrer en vous parlant un peu de la théorie des proportions, en vous disant, eh bien voilà, ce que Galilée devait faire, c'était analyser un phénomène avec des mathématiques qui n'étaient pas taillées pour ça. On ne peut pas faire correctement, donc ça demande un peu d'acrobatie. Et alors le dernier mot, ça sera quand même pour vous dire que je n'ai pas du tout dit sur l'histoire des sciences, même sur le cas de Galilée. Si vous revenez au début, je vous disais, Galilée a été l'occasion de grandes controverses. Ben, il y a des controverses qui ont porté sur son procès. Il y en a eu, comme je vous ai dit, sur la manière dont analyser son œuvre. Est-ce qu'on se concentre plutôt sur sa carrière ou plutôt sur ses livres? Là, j'ai pris un tout petit exemple. Donc, ça a été le choix qui était le mien. Voilà.